En Suisse comme au Japon, dans les années 60 déjà, on apprenait les bons gestes. Ici aussi, on s'entraîne au brossage des dents. Nous sommes à Genève, où se trouve la seule école d'hygiéniste dentaire de Suisse romande. À cause du coronavirus, l'école n'accueille pas de patients actuellement. Du coup, les élèves s'entraînent entre eux, sous la supervision de leurs profs et de médecins dentistes. Priscilla est maîtresse de formation professionnelle d'hygiène dentaire, une profession parfois méconnue. Alors le but de l'hygiéniste dentaire, c'est de dépister toutes les pathologies dentaires en bouche et puis par la suite pouvoir référer le patient au médecin dentiste pour qu'il puisse les traiter et les soigner. Un grand paramètre par rapport à la profession, c'est aussi tout ce qui est prise en charge de prévention. Donc vraiment des conseils spécifiques au patient pour que lui puisse maintenir une bonne santé dentaire et gingivale à domicile. Donc on va leur donner tous les conseils quant aux produits, quant aux méthodes de brossage, etc. Une hygiène buccale essentielle pour éviter les dégâts dus aux bactéries qui prolifèrent. Dans notre bouche, on en compterait près de 10 milliards, d'après les scientifiques. Un seul milligramme de plaque dentaire en contiendrait 100 millions. Le premier dépôt qu'on va trouver en bouche, c'est la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est un dépôt mou et collant. C'est en fait un biofilm qui est composé de bactéries, de débris salivaires, de débris alimentaires. Et ce dépôt, en fait, on peut l'éliminer en se brossant. Il apparaît au bout de 24 heures environ. Et puis, par la suite, si cette plaque reste un certain temps en bouche, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec les minéraux de la salive, cette plaque va se minéraliser et elle va devenir du tartre. Le tartre qui, lui, est un dépôt qui est dur, qui ne pourra plus être éliminé par le patient. C'est là que l'hygiéniste intervient. Elle commence par casser le tartre, soit avec un ultrason qui envoie des vibrations, soit manuellement, en grattant patiemment chacune des dents. Ensuite, place au polissage, juste assez pour enlever les dépôts et ne pas abîmer les mailles. Le polissage permet d'enlever les colorations extérieures des dents, mais ça n'est pas un blanchiment dentaire, juste un nettoyage de surface. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut limiter la formation de tartre grâce au brossage des dents. Mais au moment de choisir sa brosse à dents, les choses se compliquent. Pas facile de s'y retrouver devant la prolifération de tailles et de modèles. Mais j'ai décidé de les classer par grandeur de tête et puis par rapport à la différence de poils. Donc tout d'abord, on a les toutes petites, donc qui peuvent être adaptées aux enfants, donc plutôt qu'on va appeler les brosses à dents kids, avec une plus petite tête par rapport aux autres, qui est adaptée à la cavité buccale finalement des tout petits. Puis ensuite, on peut passer à quelque chose de plutôt junior, où là, on a une tête de brosse à dents qui est un petit peu plus grande. Et puis, si vous regardez, on a déjà aussi les poils qui sont un peu différents. Il faut s'imaginer que les juniors ont des dents de lait et des dents d'adultes, ce qui fait qu'il y a des dents à différents niveaux et en fait ça va les aider déjà à mieux nettoyer avec ça. Un peu plus grande, avec des poils plats, cette brosse à dents est parfaite pour un adulte à la dentition plutôt régulière. Celle-ci est parfaite pour brosser les dents bombées. Alors que celle en escalier est mieux si on a quelques dents qui se chevauchent. Donc tous ces différents poils ou filaments vont de nouveau être adaptés à la cavité buccale du patient. Donc nous, on va de nouveau choisir par rapport à la forme de la dent, aux espaces entre les dents, comment est-ce qu'ils sont plutôt grands, petits, comment est-ce qu'on peut les combler pendant le nettoyage, et puis aussi, suivant la méthode de brossage qu'on va conseiller au patient, on va choisir la brosse à dents en conséquence. Toujours quand même vérifier la dureté des poils. Donc on va toujours plutôt préconiser du soft, moins le médium et le hard, parce qu'on pourrait il y a des risques d'aller user la dent si on a des mauvaises techniques ou si on a des fréquences de brossage trop élevées. Et puis, il y a toute la gamme des brosses à dents électriques, avec deux grands groupes. C'est la tête ronde, qui fonctionne de manière mécanique, et les soniques, qui envoient des vibrations de haut en bas jusqu'à 30 000 par minute. Pour le premier groupe de brosses à dents donc à tête ronde, qui a un mouvement mécanique, comme vous le voyez, la brosse à dents, elle fait des mouvements de va-et-vient. Et puis, tout simplement la poser sur la dent. Donc c'est important de ne pas faire de mouvement,
Il faut la laisser travailler, c'est elle qui va faire les mouvements. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va se promener et bien, en fait, aller entourer le bombé de la dent pour qu'on puisse atteindre toutes les zones. Et puis, lui laisser un temps de travail, donc on dit environ 3-4 secondes par dent, environ. Pour le deuxième groupe des brosses à dents, voilà, donc on entend les vibrations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diriger les poils plutôt un peu direction de la gencive. On parle de 45 degrés en fait par rapport à l'axe de la dent. Et puis en fait, on va la laisser tout simplement travailler. Et puis on va se déplacer dent par dent. On a une élimination de la plaque qui se fait, que ce soit au niveau mécanique ou que ce soit mécanique et vibration. Il y a des petits plus avec la Sonic Air, avec justement ces effets soniques qui vont venir déranger les bactéries. Pour qui est-ce que vous ne recommandez pas les brosses à dents électriques ? Alors, les deux peuvent très bien être utilisées sans problème. Je mettrais juste, voilà, être vigilant peut-être aux têtes rondes. Attention peut-être les patients qui ont déjà des retraits, donc qui ont la gencive qui s'est rétractée. Donc d'être vigilant, ça risque d'accentuer en fait le retrait. Au rayon des brosses à dents électriques, rien de tel qu'un test pour savoir lesquelles sont efficaces. Et qui dit test dit forcément Stéphane Fontanet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Alors avec la Fédération romande des consommateurs, vous avez fait analyser 9 modèles. Comment est-ce qu'on teste la qualité d'une brosse à dents électrique ? Alors, on avait 4 critères. Le premier, bien sûr, c'était la qualité de nettoyage de ces appareils. Donc, une vingtaine de personnes ont testé toutes les brosses à dents. Et puis, après s'être nettoyé les dents, allaient chez une hygiéniste pour voir s'il y avait des restes de plaques dentaires. Le deuxième critère concernait la facilité d'utilisation. Le troisième, le bruit que font ces appareils. Et le quatrième point concernait l'autonomie de la batterie. Et tous critères confondus, les résultats sont plutôt bons. Oui, tout à fait, plutôt bons. Alors, on a la première qui est Philips Sonic Air HX6830. C'est une des deux plus chères du test à 149 francs. Très bonne pour le nettoyage, aucun point faible. Attention toutefois aux brossettes. Aux brossettes, c'est mieux pour se laver les dents quand même. Qui reviennent à plus de 12 francs pièce quand même. 7,6 sur 10. Quasiment même résultat avec un 7,5 pour l'Oral-B Pulsonic Slim 1000. Bien moins cher, 55 francs 90. Très bon nettoyage et d'utilisation aisée selon nos testeurs. Même constat pour la troisième, la Smart 4500, 7,2 sur 10. Prix entre 2 à 100 francs. Et les 3 suivantes sont-elles aussi jugées bonnes ? Exact. La Trisasonic Performance 79-90, elle est très bonne pour le nettoyage. Par contre, elle est moins appréciée de nos testeurs question bruit. Elle obtient quand même un 7 sur 10. On baisse ensuite à 6,5 avec l'Oral-B Pro 2000. Le nettoyage est considéré comme bon. Elle est jugée, par contre, très facile d'utilisation. La plus chère du lot vient ensuite, 189 francs. C'est une Philips Sonic Air Diamond. Toujours globalement jugée bonne, à noter des brossettes de rechange qui coûtent quand même plus de 9 francs pièce. De la plus chère, on va passer aux moins chères qui ne sont pas beaucoup moins bien notées. Encore assez bonne, encore bonne, on va dire. Dentamed est jugée bonne avec 6,5 sur 10. Elle vaut 37,50, c'est une des deux moins chères. Et ses brossettes sont les meilleurs marchés à 3 francs pièce. Bonne encore, la M-Budget, la moins chère à 32,80, 6,3 sur 10. Et enfin, la dernière, c'est la Philips Clean Care. Elle obtient 5,9 sur 10. Sa capacité de nettoyage et sa facilité d'utilisation sont les moins appréciées des brosses testées. Par contre, c'est celle qui est la plus silencieuse. Quelques conseils encore pour bien choisir sa brosse à dents électrique ? Vérifiez que vous ayez bien une prise électrique dans votre salle de bain. Oui, ça aide. Et puis, il y a aussi une place pour poser cette brosse à dents, puisque toutes ces brosses à dents sont sur une base électrifiée. Et puis, vérifiez aussi le prix des recharges et faites un petit calcul de ce que ça va vous coûter. Ouais. Et puis le prix des brossettes également. Des brossettes, c'est de ça que je parlais. C'est ça, effectivement. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. De nouvelles aventures. Et vous retrouverez bien sûr le détail de ces résultats sur notre site abe.ch. Il y en a des rouges, des bleus, des noirs, des blancs, des mats, des brillants. Les dentifrices, on en trouve des quantités astronomiques, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Plongez dans ce monde coloré, bourré de produits, pas très sympathiques. Ça vous met l'eau à la bouche ? Ah, si vous saviez tout ce que contient un dentifrice !
Dans la loi suisse, on trouve une très longue liste de substances interdites dans les cosmétiques. D'autres sont autorisées, mais sous certaines conditions, comme un faible dosage ou une précaution d'utilisation sur le produit. Reste que pour le consommateur, l'étiquette d'un dentifrice, c'est compliqué. Comment savoir si le produit qu'on met chaque jour dans sa bouche est sûr? Et quid de l'effet cocktail, le mélange de toutes ces substances chimiques au quotidien? À partir du 1er mai 2021, la Suisse a repris une disposition européenne qui va exiger que chaque produit cosmétique ait un rapport de sécurité et un dossier d'information avec toute une évaluation toxicologique. Donc chaque produit, normalement, devrait être parfaitement sûr. Ça, c'est déjà le cas en Europe à l'heure actuelle. La Suisse le reprend donc à partir du 1er mai 2021. On a juste un petit problème au niveau de l'exécution, c'est que pour le moment, on a des bases de données européennes auxquelles nous n'avons pas accès. Donc ça nous inquiète un petit peu dans l'exécution. Sans l'accès à la précieuse base de données, les chimistes cantonaux suisses ne peuvent pas savoir si un rapport de sécurité a été établi pour un produit fabriqué ailleurs en Europe. Impossible donc de se prononcer sur la réelle innocuité d'un cosmétique. En attendant, plusieurs substances qui posent question sont parfaitement autorisées. C'est le cas du butylhydroxytoluène, ou BHT, une substance de synthèse antioxydante soupçonnée d'être un perturbateur endocrinien. Ou du propylparabène, un conservateur potentiellement toxique autorisé dans les dentifrices alors qu'il est interdit dans les cosmétiques qu'on ne rince pas. Ou encore du dioxyde de titane, soupçonné d'être cancérigène, ce colorant blanc est intégré au dentifrice sous forme de poudre chargée de nanoparticules. Alors ces nanoparticules, c'est vrai qu'elles ont été passablement discutées ces dernières années en termes de sécurité. Il y a beaucoup de questions encore sur ces produits-là. Et la Suisse et l'Europe ont opté pour le moment sur une information du consommateur plutôt qu'une interdiction de ces produits. Et normalement, un ingrédient qui est sous forme nano doit être indiqué sur l'emballage. Et par exemple, votre dioxyde de titane, il devrait être mis entre crochets nano. Comme ça, vous savez qu'il est sous cette forme nanométrique. Et si vous avez des soucis par rapport à cet usage, ben, vous pouvez ne pas acheter le produit. Est-ce qu'on voit beaucoup cette mention nano sur les dentifrices? Elle est assez rare, on doit bien l'avouer. Il y a certainement dans ce domaine-là des contrôles qui devraient être menés, mais c'est vrai que c'est une technologie qui est très difficile à mettre en évidence à l'heure actuelle. Ce manque de transparence et toutes ces substances chimiques cumulées au quotidien, Nathalie en a peur. Alors elle a décidé de faire son propre dentifrice. Ça fait donc plusieurs années de ça, j'ai constaté que dans les dentifrices conventionnels, il y avait de nombreuses substances qui étaient problématiques, notamment le dioxyde de titane, donc sous sa forme nanoparticules. Il y a aussi des perturbateurs endocriniens, notamment le triclosan, qui est un antiseptique longue durée, et puis aussi des tensioactifs donc pour faire mousser le dentifrice. Et c'est en fait à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à chercher des alternatives qui soient meilleures pour ma santé puis celles de mon entourage. Et c'est comme ça qu'après plusieurs recherches, plusieurs tests, certains ratés, d'autres réussis, voilà, j'ai commencé cette démarche de fabriquer moi-même, en tout cas le dentifrice maison. Alors on commence par mettre 2 cuillères à soupe d'eau qu'on aura préalablement fait bouillir. Ensuite, on ajoute 3 cuillères à soupe de carbonate de calcium. C'est un composé de la coquille des mollusques. Et puis les propriétés du carbonate de calcium, c'est d'être beaucoup moins abrasif que le bicarbonate de soude, voire même que l'argile que l'on retrouve aussi dans de nombreuses recettes de dentifrice maison. Donc ensuite, on remue notre petite préparation. On ajoute 1 goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. Cette huile essentielle a des vertus antibactériennes. 3 gouttes de menthe poivrée. Alors, je ne mets pas de fluorure de sodium parce que je n'ai pas confiance dans cette substance. Je n'ai même pas essayé de savoir si ça existe sur le marché pour pouvoir l'intégrer soi-même dans ses préparations maison. Vraiment, voilà, c'est une raison de méfiance. Et puis, je n'ai pas de carré. Ça fait des années que je fais mon dentifrice, donc je me dis que peut-être, il n'est peut-être pas forcément si utile que ça. Mais enfin, ce n'est que mon avis personnel.
Pourtant, on sait depuis les années 40 que le fluorure de sodium, c'est-à-dire le fluor sous forme de sel, est indispensable pour limiter la formation de caries. À l'époque, on avait d'ailleurs fait un constat assez étonnant en comparant deux villages valaisans. Dans le premier village, sans brancher, où le fluor existe dans l'eau, la carie est très rare. Au contraire, dans le village du Châble, où le fluor est pour ainsi dire absent de l'eau, la carie est particulièrement fréquente. Le fluor protège l'émail dentaire, à tel point que jusque dans les années 80, on a donné des pastilles de fluor aux écoliers avant d'abandonner cette pratique pour ajouter le fluor dans le sel de cuisine et les dentifrices. Aujourd'hui, la mode des dentifrices maison fait ressurgir un problème que l'on pensait résolu. Alors, le dentifrice de Nathalie est-il quand même un bon dentifrice? Nous l'avons apporté à Laurent Deniker, dentiste spécialiste des enfants. Qu'est-ce qui manque, selon vous, dans cette recette? Je pense qu'il y a, c'est bien sûr un dentifrice qui est sans fluor. Donc je pense que l'apport de fluor serait bien. Mais maintenant, comment le doser? Comment l'incorporer là-dedans? J'ai aucune idée. Je me suis aperçu dans ma consultation que j'avais des enfants qui venaient avec une hygiène qui était irréprochable, où on voyait que les parents étaient derrière, ils avaient une bonne alimentation, une bonne hygiène, mais que finalement, en faisant deux radios, on s'aperçoit qu'il y a des caries entre les dents. Alors les parents sont un petit peu étonnés, moi aussi, parce que l'hygiène est bonne, et puis en creusant un tout petit peu dans l'alimentation ou dans les différents aspects de l'hygiène, on s'aperçoit que finalement, ils utilisent un dentifrice sans fluor. Le fluor sous forme de gaz ou sous forme de sel est considéré comme une substance toxique en cas d'ingestion et très irritante. Impossible de s'en procurer dans les commerces ou les pharmacies. De toute façon, il serait dangereux pour un consommateur d'essayer de le doser lui-même. Du fluor, il en faut, mais pas trop, et pas à n'importe quel âge. Nous avons des dentifrices en Europe pour les enfants qui sont de 500 ppm de fluor. Ces dentifrices, on peut les utiliser dès l'apparition de la première dent jusqu'à 6 ans. Et ce dentifrice, donc de 500 ppm, on va mettre chez des enfants de 6 mois à 2 ans un petit poids sur la brosse à dents et on va faire ça deux fois par jour, le matin et le soir. À partir de 2 ans, on va pas changer de dentifrice, on va toujours garder le dentifrice 500 ppm, on va juste augmenter la dose, on va mettre deux petits poids le matin et deux petits poids le soir. Et lorsqu'on arrive à 6 ans, on peut ensuite passer au dentifrice adulte ou au dentifrice junior. Tu as bien brossé tes dents? Tu les as brossées tout à l'heure? Oui. Oui? Qui c'est qui les a brossées? C'est toi ou c'est maman? Maman. C'est maman? Pour les adultes, un dentifrice peut contenir jusqu'à 1450 ppm de fluor, soit 145 mg par 100 g. Pour les enfants, c'est déjà trop. Et si le dosage du fluor est si strictement réglementé, c'est notamment pour éviter les cas de fluorose. Une fluorose, c'est un surplus de fluor qui va se remarquer surtout sur les dents qui sont en formation, donc on parle plus des dents de lait, mais sur les dents définitives, par des taches blanches ou dans des cas plus graves qui peuvent être des taches brunes. Et lorsque vraiment le dosage est beaucoup trop élevé pendant une grande période, on peut même avoir des hypoplasies, c'est-à-dire des pertes de substances. Et est-ce que ça, c'est réversible? Non, malheureusement non. Donc les taches blanches, elles peuvent être inesthétique, mais ça ne pose pas un problème au niveau de la dent elle-même, au niveau de la résistance. C'est super, c'est très très courageuse. Bonsoir Maya Chollet. Bonsoir.
C'est vous qui avez réalisé ce reportage. Alors, le dentifrice, on ne l'avale pas, on le rince. Pourquoi, dans ces conditions, faut-il quand même faire attention à ce qu'il contient? Parce que dans certains de ces dentifrices, il y a des substances dont les effets sont très peu connus, très mal étudiés sur les êtres humains. Les études ont montré sur les rats que les nanoparticules contenues dans certains dentifrices pouvaient pénétrer par les muqueuses dans l'organisme et agir comme perturbateurs endocriniens. Et puis, dans le sujet, on explique que la loi suisse fait la différence entre les cosmétiques qu'on rince et ceux qu'on rince pas. Dans les cosmétiques qu'on rince, on trouvera des substances qui peuvent être plus agressives. Et le dentifrice est considéré donc comme un cosmétique qu'on rince. C'est vraiment important de le rincer. Par contre, pas trop, parce que sinon, on perd les bienfaits du fluor qu'il contient. Oui, pas perdre les bénéfices du brossage de dents quand même. Il y a quand même une substance qui a quasiment disparu, c'est le triclosan. Le triclosan, donc, c'est un antimicrobien, un antibactérien très puissant qui est utilisé dans les pesticides depuis des décennies. Et puis, il était utilisé dans les dentifrices jusqu'en 2019, où le dernier fabricant à l'utiliser encore, Colgate, a décidé de le bannir. Par contre, il n'a pas disparu, en fait, parce qu'il est toujours autorisé légalement dans les cosmétiques. Ouais, donc toujours autorisé, mais dans les faits, pratiquement plus utilisé. Il y a une autre substance, par contre, où les choses bougent, c'est le dioxyde de titane, qui est interdit désormais en France depuis le début de cette année. En Suisse, c'est toujours autorisé, et on va vous expliquer du coup comment l'identifier. Il faut chercher sur les étiquettes quand c'est écrit titanium dioxide ou alors de son petit nom de colorant CI77891. Ça, voilà. Ça veut dire qu'il y a du dioxyde là, de par titane. Exemple. Ok. À éviter. Et puis, il y a tout un tas de promesses aussi hein, qui sont écrites sur ces tubes de dentifrice pour des dents naturellement blanches, anti-plaque. Est-ce que ça marche? Alors, dans les cosmétiques, c'est pas comme pour les médicaments. Les fabricants, ils n'ont pas l'obligation de montrer que ça marche pour pouvoir les mettre sur le marché. Donc, attention à toutes ces promesses, ces allégations. Et puis, le meilleur anti-tartre, ça reste le brossage des dents. L'autre grande promesse des dentifrices, c'est évidemment des dents plus blanches. On en reparle avec vous dans quelques minutes. Mais avant cela, on regarde comment fonctionne le blanchiment. Aujourd'hui, les pseudo-conseils prolifèrent sur Internet. Les suivre peut avoir des effets dévastateurs et irréversibles sur votre sourire. Sur Internet, on trouve des recettes toutes plus diaboliques les unes que les autres pour blanchir ses dents, comme ce tutoriel chinois. Pas besoin d'aller chez dentiste. Enlever plaques, dentaires et tartre en seulement 2 minutes avec ce mélange. Essayez-le dès maintenant et obtenez un sourire éclatant comme un diamant. Et le tartre... Accrochez-vous bien les dents. C'est parti. Première étape, ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans ce bol. Ajoutez ensuite 1 cuillère de dentifrice, du jus de citron vert. Vous pouvez voir comment le mélange réagit à l'acidité du jus de citron vert. Et ça n'est pas fini. Pour encore plus d'acidité, ajoutez du vinaigre. Puis un soupçon d'huile de coco, mélangez le tout, c'est prêt. Il ne reste qu'à enfiler vos gouttières préalablement découpées dans du papier d'alu. Enroulez le papier d'aluminium autour de vos dents inférieures et des dents supérieures. Si vous trouvez cette vidéo utile, aimez-la et partagez-la avec vos amis. Moi, je déconseille vraiment, quand je dis moi, c'est la profession, on déconseille vraiment ce genre d'aventure parce que là, vous allez abîmer vos dents. Ça, c'est clair et net. La combinaison entre le bicarbonate de soude qui est abrasif et puis l'acidité du citron qui va concourir à dissoudre l'émail dentaire peut être assez tragique. Même à moyen terme, ça peut aller relativement vite. Et là, il y a des cas qui ont été documentés où pratiquement tout l'émail a disparu. C'est la première fois que je voyais ce genre de recette avec un mélange d'acide. J'en ai déjà vu un certain nombre de ce genre de vidéos, mais une aussi sophistiquée, non, ça j'ai encore jamais vu. Donc je vous invite à vous installer. Les recettes maison, mieux vaut oublier et s'adresser aux professionnels. D'autant qu'avant un blanchiment, il faut faire nettoyer et contrôler ses dents. Je vais juste faire un petit contrôle avant de commencer. Dans le cabinet du docteur Marmy, Elisabeth a décidé d'éclaircir légèrement ses dents. C'est Mélanie, l'hygiéniste, qui va s'en occuper. D'abord, elle procède à un détartrage, sans quoi le blanchiment ne donnera pas le résultat escompté. Mélanie identifie le tartre à l'aide de ce produit de contraste. Elle en profite pour scrupuleusement vérifier que chaque dent est en bonne santé. Si ça n'est pas le cas, l'application du produit de blanchiment peut créer d'importantes lésions et s'avérer très douloureuse.
des dents malades, par exemple des dents avec caries, ne devraient pas recevoir de blanchiment. On fait des blanchiments dans une bouche qui est saine, aussi bien du point de vue gingival que du point de vue dentaire. Aussi à préciser, ça nous le disons toujours à nos patients, c'est que des dents qui ont des restaurations artificielles, que ce soit des couronnes, des composites, des obturations esthétiques, ces dents-là ne changent pas de couleur. Ces matériaux ne réagissent pas au blanchiment. Donc il faut s'en méfier, il faut l'anticiper. Si on a des dents parfaitement assorties avant le blanchiment, elles ne le seront plus après. Vous faites-moi juste un beau grand sourire, montrez-moi toutes vos dents. Pour trouver la bonne couleur, l'hygiéniste utilise un teintier. J'ai plus l'impression que c'est dans les baies. Blanchir une dent, ça n'est pas comme peindre un mur. Il faut choisir la bonne teinte tout en tenant compte de la complexité de ce petit organe vivant. On est même peut-être plus clair que ça. La dent, c'est un organe magnifique, mais ça c'est le dentiste qui vous parle. Et puis, elle est constituée de différentes couches de tissu. Au centre, il y a la pulpe dentaire, qui est un tissu vascularisé, donc qui est rouge. Et par-dessus, il y a la dentine, qui est un tissu qui sera d'une nature plutôt jaune, assez saturée. Et par-dessus encore, l'émail, qui est translucide et parfois même complètement translucide. Et donc, on a ce jeu non seulement de réflexion de surface, mais aussi d'interaction entre la lumière incidente et les tissus en profondeur, qui peuvent donner des nuances très complexe, relativement riche aussi, qui peut varier selon l'angle d'observation. Pour blanchir les dents, les professionnels utilisent du peroxyde d'hydrogène ou du peroxyde de carbamide, qui est un peu moins concentré. Cette solution oxydante est appliquée sur la surface de la dent, puis activée avec une lampe bleue pendant 10 à 30 minutes. Le produit se désagrège en molécules d'eau et en ions d'oxygène qui vont pénétrer dans l'émail et dissoudre les colorations. Ça, c'est la technique au fauteuil, donc dans le cabinet du dentiste. Ça coûte entre 90 et 250 francs, selon la durée du blanchiment. Ce traitement peut aussi être fait à la maison, avec des gouttières fabriquées sur mesure qu'on porte le plus souvent pendant la nuit. Dans ce cas, c'est le patient qui applique lui-même le peroxyde d'hydrogène pendant une dizaine de jours. Comptez 4 à 500 francs pour les gouttières et le produit. C'est du produit que nous lui fournissons. C'est avec des concentrations qui sont très contrôlé. Nous donnons aussi les instructions, nous faisons le contrôle, ça se passe sous notre responsabilité. Combien de temps les dents elles vont rester blanches ? On peut garder les dents blanches, c'est un terme, hein, disons plus clair, durant à peu près 3 ans, 2 à 3 ans, c'est très très variable. Les blanchiments, ça dépend beaucoup de l'émail, ça dépend des gens aussi, de leurs habitudes alimentaires. Évidemment qu'un fumeur aura des dents qui vont se refoncer beaucoup plus vite qu'un non-fumeur, ou c'est que des thés, des cafés, d'autres aliments colorés. On voit un peu quand même, enfin, je sais pas. Oui, ça éclaircit, ça change pas la teinte, mais ça éclaircit un petit peu. Non. Voilà. Vous êtes contente? Ouais. Non, ça va. C'est bien parce que c'est pas trop différent, ça me change pas trop. Pour moi, ça correspond vraiment à la vraie vie. Enfin, tous nos patients ne sont pas des mannequins, tous nos patients n'attendent pas, disons, de passer à la télévision, par exemple. Mais vivent une vie normale en voulant avoir des dents en bonne santé et jolies. Alors voilà. Bon, donc maintenant, je vais aller montrer mon sourire. Ben oui. Il n'y a pas tellement de miracles. Pour blanchir une dent, soit il faut gratter la surface pour obtenir un émail qui est extrêmement lisse et qui réfléchisse la lumière et qui soit aussi débarrassé de tous les pigments de surface qui le colorient, soit il faut, disons, le traiter, l'imprégner avec une molécule oxydante comme du peroxyde d'hydrogène. Dans les commerces, on trouve des dizaines de produits en vente libre qui, bien sûr, vous promettent le plus beau des sourires. Ha. Seulement voilà, la loi sur les cosmétiques est très claire. Ces produits ne peuvent pas contenir plus de 0,1% de peroxyde d'hydrogène. Avec une si petite teneur, l'effet blanchissant est quasiment nul. Alors les fabricants ont trouvé d'autres stratagèmes. Ça, je pense que c'est vraiment pour le show. Ça, c'est plutôt pour... un petit peu pour amuser la galerie, puis pour donner un aspect professionnel, disons pseudo-cabinet dentaire. Je ne pense pas que la lumière ait un quelconque effet, surtout avec une énergie aussi basse. Les dentifrices avec charbon sont très abrasifs. Et
On sait que l'abrasivité trop élevée est nuisible à la longue pour les dents. Plus on brosse les dents avec un dentifrice abrasif, plus à la longue on perd de l'épaisseur des mailles dentaires, plus on se rapproche de la dentine sous-jacente et plus la dent va avoir l'air jaune. Donc l'effet il est inverse de ce qu'on attend. C'est un dentifrice qui est à la fois abrasif et puis en plus qui colorie les gencives en rouge. Et ça donne un contraste augmenté qui font apparaître les dents blanches. D'autres dentifrices bleuissent légèrement les dents, donnant ainsi l'illusion de blancheur. Point commun de tous ces dentifrices, ils contiennent un cocktail de substances chimiques. Rien que sur la peau, la réaction est vive. Alors imaginez dans une bouche. C'est chaud. Oh, c'est froid. Il y a aussi des stylos qu'on peut appliquer sur les dents. C'est simplement un effet de masquage. On dit voilà, vous aurez des dents plus blanches parce que vous appliquez une sorte de peinture dessus. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ça ne nuise pas. Ce que j'aimerais juste, c'est que les gens ne s'abîment pas les dents en utilisant ça. Ouh. Maya, on vous retrouve. Alors, des produits qui brûlent ou qui, au contraire, provoquent une sensation de froid, c'est réel ou c'est de la comédie? Alors, c'est bel et bien une comédienne à qui on a demandé de tester tous ces produits. Par contre, les réactions, non, c'est pas de la comédie. Il y a vraiment eu sur sa peau des effets de brûlure ou d'acidité qu'elle a ressenti. C'est pas étonnant parce que ces produits sont vraiment très agressifs pour certains. Alors, du côté de ces dentifrices soi-disant blanchissants, certains, en fait, colorent la gencive pour créer un contraste. Comment est-ce qu'on les repère? Alors, les dentifrices qui colorent les gencives en rouge, il faut chercher justement les colorants à la fin des listes des ingrédients. Et c'est souvent des substances qui sont nommées comme CI75-470, CI77-491, souvent à la fin de la liste des ingrédients. Ça, c'est pour les colorants rouges. Et puis, pour ceux qui déposent des pigments bleus, vous pouvez chercher le CI74-160. Ça veut dire que vous aurez des pigments bleus à la surface des dents. Et puis, parfois, c'est précisé sur le tube du dentifrice que c'est juste un effet d'optique, le côté blanchissant. Mais c'est assez rare, on trouve peu ça sur les tubes. Et pour les autres, comment savoir à quel point ils sont abrasifs, ce qui peut vraiment être dommageable pour l'émail? Alors oui, l'abrasivité, donc le pouvoir grattant du dentifrice, tous sont un peu abrasifs, par contre il ne faut pas que ce soit trop abrasif. Il existe un indice d'abrasivité, le RDA, malheureusement ce n'est pas obligatoire d'être indiqué pour les fabricants de l'indiquer sur les emballages. Pour ça, il faut s'adresser aux dentistes, ils ont des tabelles qui vont indiquer quel dentifrice aura quelle abrasivité. Et au-delà de 100, il ne faut pas utiliser un dentifrice abrasif quotidiennement. Merci beaucoup Maya pour ces explications et très belle soirée. Belle soirée à vous. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Vous avez aimé Bilag, vous allez adorer Séraphée. Depuis le 1er janvier 2019, c'est elle qui collecte la redevance radio-télévision. Le problème, c'est qu'il y a quelques petits couacs dans les factures adressées aux ménages. Déboires et désespoirs de téléspectateurs rencontrés par Lison Méric. On nous l'avait promis plus simple et aussi plus efficace. La collecte de la redevance radio-TV par la société Séraphée annonçait la redevance heureuse. Mais ça, c'était avant. En février 2019 déjà, le porte-parole de l'entreprise avouait à Manuel Pernoux que Séraphée était légèrement débordée. On ne savait pas à quel niveau on va recevoir des données erronées. Mais oui, mais c'était pas très calme. Et puis, ouais, pour je le cache pas, c'était très effectif les dernières semaines, oui. On s'est pas ennuyé. On peut dire qu'à en juger par le courrier que nous avons reçu, dans les ménages suisses, on ne s'est pas ennuyé non plus. C'est le cas, par exemple, d'Alexandre Aviola, que nous allons rencontrer tout de suite. La première facture, j'ai constaté qu'elle était incorrecte, donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne contact avec Séraphée. Je suis tombé sur une personne fortement désagréable qui m'a expliqué qu'elle n'y pouvait rien et que mon rôle, c'était d'aller à la commune pour me renseigner, pour déterminer si j'étais enregistré correctement, puisque mon voisin de palier se retrouvait donc sur cette même facture.
Je me suis rendu 3 fois à la commune durant l'année 2019, mais selon les informations qui émanent de la commune, ils m'ont enregistré correctement, puisque je me suis rendu avec ma concubine le 1er juillet 2016, quand on a emménagé ensemble dans le même appartement, pour s'enregistrer. Malgré ses démarches, Alexandre Aviola a reçu une pluie de factures. 6 au total en 2019, toutes différentes. Jamais de rappel, ni d'état de sa situation, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. J'ai reçu que des factures, mais chaque fois des factures différentes, des durées différentes et des montants différents. C'est ça qui est très compliqué pour pouvoir, entre guillemets, se retrouver. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je paye le montant qui est demandé sur cette première facture, et à partir de là, je verrai la seconde et je paierai en fonction du montant que j'estime que je devrais payer, soit 365 francs par année. Comment expliquer un tel pécci ? Séraphé facture la redevance radio-TV au ménage. Et un ménage, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des adultes qui vivent dans le même appartement. Pour savoir qui vit où, Séraphé utilise les données d'un registre fédéral. Nous figurons tous dans ce registre grâce à 2 numéros. Celui du bâtiment, c'est l'égide, et celui de l'appartement de notre domicile, c'est l'évide. Le contrôle des habitants des communes et le registre cantonal des personnes transmettent ces données au registre fédéral. Le problème, c'est que ce registre comporte des erreurs, qu'il nous arrive de déménager et que l'égide Évide ne figure pas sur les baux à loyer. Nous ne le connaissons même pas. Avant de servir de base de données à Séraphé, il avait un but purement statistique. En 2019, Alexandre Aviola semblait enregistré sous le même numéro que ses voisins de palier, mais sans sa compagne, d'où peut-être la première erreur de Séraphé. Depuis mi-2019, le numéro Égide Évide figure sur les factures Séraphé, c'est là, sous le montant. Et la facture indique aussi qui est solidairement membre du ménage, ici et aussi là. En cas de problème, que faut-il faire ? Séraphé au service, adressez-vous au contrôle de l'habitant. Les contrôles de l'habitant renvoient la balle. Non, adressez-vous à l'émetteur de la facture. Et l'Office fédéral de la communication refuse d'arbitrer. Moralité, débrouillez-vous. Je vous propose maintenant un deuxième exemple. C'est presque la même histoire. Nous sommes à Palézieux Village et nous rendons visite à la famille André. Combien de factures Séraphé avez-vous reçues pour les années 2019-2020 ? En totalité, j'en ai reçu 2 pour les mêmes périodes, plus 1 pour la période de 2020. Et les 2 factures étaient adressées aux mêmes personnes ? Aux mêmes personnes, au nom de ma femme, à mon nom, qui faisait partie de cette composition du ménage. Et à la même adresse. Et à la même adresse, bien entendu. Double facturation, donc, pour les années 2019 et 2020, pour un total de 1307 francs. De quoi faire bondir Gabriel André. J'ai essayé de prendre contact avec Séraphé, par téléphone, mais j'ai abandonné au bout du deuxième essai, où il fallait de toute façon attendre un temps conséquent. Et fait ce qu'il proposait, c'est-à-dire communiquer par courrier électronique. Combien de courriers électroniques ? J'en ai envoyé 1 principal et je les ai relancés sur ce même courrier électronique une bonne 50aine de fois avant d'obtenir une réponse. 50aine de fois ? Oui. Ils ont pris à peu près 3 mois avant la première réponse. Dans un mail, Séraphé invoque un changement dans la composition du ménage André pour expliquer l'envoi de la seconde facture de redevance. Le changement de composition du ménage n'a jamais eu lieu, étant donné que nous avons emménagé ici il y a à peu près 6 ans. Et ça a été le même ménage, ma femme, moi, notre chien, jusqu'à présent, donc pendant 6 ans, ça n'a pas bougé. Happy end. En mai 2020, une dernière facture corrige les précédentes. Chose étrange, elle annule une redevance facturée pour une autre adresse que celle de la famille André, au numéro 5A. Finalement, nous avons eu le fin mot de l'histoire par erreur. La commune avait attribué à la famille André, qui vit au numéro 6 dans cette maison, le numéro Égide Évide du garage de la voisine d'en face, le numéro 5A.
La commune a corrigé son erreur en septembre 2019. Elle a fait ensuite remonter l'information jusqu'au registre fédéral. Et notons encore que le ménage d'Alexandra Viola, notre premier témoin, a encore reçu une facture erronée tout récemment. Bonsoir Erich Heinen, vous êtes le responsable de la communication de Séraphé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la redevance, elle est due une fois par an. Comment est-ce que c'est possible de recevoir 6 factures différentes avec des montants différents en une année, comme on l'a vu dans le reportage ? Alors, la redevance est due pour une fois. Normalement, on envoie une facture annuelle, mais c'est bien clair, si on reçoit des modifications des données personnelles, chaque modification provoque une autre facture. Et puis la dernière facture sans rappel est la facture qui est due parce qu'elle ressemble à la dernière livraison des données des communautés cantons. On a plusieurs téléspectateurs qui nous ont écrit pour nous rapporter des cas de ce genre-là. Combien de cas d'erreurs d'adressage ou de facturation est-ce que vous avez enregistré à Séraphé ? Alors, on n'est pas à la mesure de vous donner un chiffre clair, mais je veux quand même vous donner 2-3 chiffres. On a envoyé 12 millions de factures. On a à peu près 80 000 de demandes de correction qu'on a pu refeedbacker aux communes, un peu pour vous donner le cadre dans lequel on se bouge. Ouais, 80 000 cas à peu près que vous recensez. En cas d'erreur sur la composition du ménage auquel la facture est adressée, vous renvoyez les gens vers le contrôle des habitants. Pour quelle raison est-ce que vous faites ça ? Ben, c'est tout simple. Les communes sont les seules qui ont droit et puis la compétence de modifier les données. Oui, pourtant, début 2019, la Confédération communiquait clairement, s'il constate des erreurs dans l'adressage, les ménages sont priés de le signaler à Séraphé qui transmettra ensuite les informations au contrôle des habitants. Exactement, ce n'était pas uniquement la Confédération qui a transmis, c'était même marqué sur nos factures. Mais il y avait une science en juin où on a décidé que si les cas sont tellement clairs que la maison Séraphé n'a aucune possibilité et pas la base légale de modifier, de corriger les données, si les cas sont très très clairs, dans ces cas, on est motivé de demander les gens de se mener directement aux communes. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair. L'alternative, c'est une variante, un détour qui nous semble inutile parce qu'on n'a ni la possibilité, ni la base légale pour modifier les données fournies. Autre problème, au mois de mai, 224 000 factures ont été envoyées à double par erreur. Est-ce que toutes les personnes qui ont payé cette facture à double ont été remboursées depuis ? Alors, les factures ont été imprimées 2 fois, mais sont dues pour 1 fois seulement. On veut dire que les doubles paiements, ça nous arrive, on les reverse aux clients. Si on a les données bancaires, si on ne les a pas, elles sont créditées au ménage. Franchement, Erich Heinen, c'est un peu la gabegie. Quand est-ce que la situation va se normaliser ? Quand la situation va se normaliser, alors je peux vous dire que les données se améliorent de mois en mois, de livraison à livraison. Ça nous rend très, très positif avec le résultat qu'on a moins de factures erronées. Mais je ne le cache pas, il y a encore un très bon chemin à faire pour nous et pas oublier pour tous nos partenaires qui sont inclus dans le mandat. Encore un peu de patience donc pour les téléspectateurs et les auditeurs qui payent cette redevance. Merci beaucoup et très belle soirée à vous du côté de Zurich. Mais je vous en prie. Merci pour l'invitation. Bonne soirée à tous. Merci.